chercher du pied de chèvre. Dans la Beauce. Je passais dans la Beauce. Et puis, je passais par le lavoir. Il y avait un lavoir. Et je montais, donc, à la terrane. Ma mère vendait le fameux pied de chèvre. Voilà. Je redescendais. Des fois, j'avais les pieds un peu mouillés. Ça dépendait. Je sautais bien un peu sur les pierres, mais... Et madame, aide-moi en bas des mairies. La Camille, oui, la Gérie, madame, la Josiane, la sœur... Elle venait quand même travailler les après-midi avec le litre de bière dans sa cama. Et madame Gérie, tu sais, quand elle revenait de... Elle disait, que je suis fatiguée. Si, elles avaient le litre de bière et la Lucimania, elle buvait son coup. Alors dis donc. Et ça fumait. Quoi qu'on avait le droit de fumer, sur les métiers de restauration, on avait le droit de fumer. Donc, on n'avait pas de cendrier. Et en fait, on se débrouillait. Une boîte de Pulmol à l'époque, et on mettait nos mégots dans la boîte de Pulmol. Alors, si le directeur passait, qu'il était bien luné ce matin-là, il me disait : je te pique une disque bleue. Après, on pouvait aller au cabinet. On avait les water. Sur la Beauce. Sur la Beauce. Donc, nous faisions notre pipi dans l'eau. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de chasse. C'était des sièges à la turque. Hein? Même pas, il n'y avait pas de siège. Il n'y avait pas de siège, tu non, sais bien. Mettre les deux pieds, on faisait pipi dans la Beauce. C'est ça, voilà. En fait, on dit que l'eau de la Creuse est bonne pour la teinture de la laine. Quelle équipe.